Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une unboxing. Ça faisait longtemps que je n'en avais plus fait. Il y a 2 jours, je suis tombée sur un groupe de vente d'occasion sur Facebook, de vente de jeux bien entendu, hein, tarot et oracle. Je suis membre de plusieurs groupes et je suis tombée sur une annonce. Et c'était donc une créatrice qui vendait son propre jeu. Et j'ai été absolument fascinée par les illustrations. Et donc, elle vend ce jeu sur Etsy. Et je vous propose de le découvrir ensemble. Je n'ai pas vraiment creusé en fait. J'ai été totalement fascinée par les illustrations. Et j'ai décidé de le prendre. Je suis allée voir sur Etsy. J'ai vu vraiment un petit peu plus de photos de cartes. Et j'ai dit, bon, celui-là, je le prends. Il est arrivé très très rapidement. Donc en 2 jours en fait. Et eh bien, on va le découvrir ensemble. Donc, il arrive dans un petit emballage papier bulle. Voilà. Alors, j'ai un petit mot. Je vais regarder. Voilà. J'ai un petit mot écrit à la main de la créatrice, donc qui s'appelle donc Margarita. On va voir ça ensemble. Hein. Et donc le jeu est encore également emballé dans du papier bulle. Voilà, il est collé ici. On va essayer de le déballer sans faire tout tomber. Parce que là, juste devant moi, j'ai le pied avec mon téléphone et donc j'ai pas envie de tout bousculer. Donc il est dans une boîte cloche. Il s'appelle donc Message des éléments. Il est de Margarita Gadra et c'est un oracle inspiré par la nature. Alors il est sous blister. Je prends ma petite paire de ciseaux pour essayer de détacher tout ça. Voilà, ça devra le faire. C'est une jolie boîte en dur. Bon, ben regardez, on a déjà un aperçu des cartes ici. Donc, j'ai vraiment été fascinée par ces illustrations, en fait. Donc, ce sont les 4 éléments. Ici, il me semble qu'il y a une carte aussi du 5e élément. Enfin, je ne sais plus, on va aller voir ça. Je vais regarder tout ça. Alors, donc la boîte, elle est de couleur violet profond, comme ça. C'est très 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 beau. Puis vous avez là ce dessin avec les 4 éléments. Hein. C'est très très beau aussi, je trouve. Ça donne bien. C'est très chouette comme. Ça pourrait presque faire un logo, en fait. Voilà. Inspiré par la nature. C'est indiqué à l'intérieur. Alors, on a un petit livret. Donc, on a effectivement les 4 éléments et 5e élément. C'est bien ce qu'il me semblait avoir vu. Donc, on a bienvenue. On a les interprétations. Donc, des cartes. Carte par carte et elles sont classées par élément. Feu, la terre et le 5e élément. Voilà, ici on a donc c'est la pierre philosophale pour le 5e élément. Et on a le message des éléments, donc elle nous donne encore des petits trucs pour interpréter. Hein. On a les, voilà, en comptant les prédominances.
les interactions. Alors, elle nous propose un tirage à une carte, un tirage à trois cartes, un tirage croissant de lune. Ça, c'est intéressant. Tirage croissant de lune. Tirage oiseau. Et il y a à chaque fois un exemple de tirage. Donc, c'est tout petit, mais c'est bien fait. Hein. On a l'œil également en 13 cartes. On a le tirage des 6 pouces. Et elle nous dit aussi qu'on peut faire de la méditation avec les cartes. Et ça, je n'en doute pas, parce que quand j'avais vu les illustrations, je m'étais dit que ça devait être chouette de se plonger dedans. Et on a encore le mot de la fin. Donc, elle a un site internet. Et puis, ben, elle a une boutique Etsy, parce que moi, je l'ai acheté sur Etsy. Je ne savais pas qu'il y avait un site. Elle renvoyait vers son Etsy, en fait, sur la page Facebook, si je me souviens bien. Parce que sinon, je privilégie plutôt les sites, moi, des créateurs, que Etsy. Et, ben, écoutez, ben, je l'ai acheté sur Etsy. Voilà. Alors, les cartes sont, elles aussi, sous blister. Donc, je récupère ma petite paire de ciseaux. Bon, donc, il est bien, bien protégé, hein, vous voyez. Il n'y a pas vraiment de risque qu'il s'abîme. Voilà, ça devrait le faire. Vous l'entendez, mon chien a décidé de participer à la vidéo. Ça faisait longtemps. Mais là, je pense que il s'est dit, bon, elle ne s'occupe pas de moi, donc moi, je vais m'occuper de la vidéo. Donc, voilà, ça y est, j'ai réussi à détacher le plastique. Donc, dans l'autre partie de la boîte, on a aussi inspiré par la nature. Et puis, ce côté-là, je vous l'ai déjà montré. On va mettre la boîte ici. Et on va regarder les cartes. Donc, on a le dos, hein, on retrouve cette espèce de logo qu'il y a sur le livret et sur la boîte. Là, c'est très très beau. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on est toujours sur un violet très 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 profond, presque noir en fait. C'est très très joli. J'aime beaucoup. Et puis, on a sur les cartes, vous voyez, on a les éléments. Bah tiens, ici, elles ne sont pas classées par éléments, curieusement. Donc, bah, écoutez, on va les regarder comme ça. Visiblement, à l'impression, elles ne sont pas classées par éléments. Nous avons des tranches neutres. Alors, on va regarder tout de suite la qualité. Oui, c'est très bon. Comme vous le voyez, elles sont brillantes, mais pas trop. Ça a l'air d'être une qualité qui ne s'abîme pas trop. Et franchement, bah, l'épaisseur, c'est top. Et c'est suffisamment souple pour ne pas avoir des traces de pliage si jamais on fait un petit peu un mauvais geste, une fausse manœuvre en les mélangeant. Ouais, vous voyez, elles glissent très très bien, puisque là, elle m'échappait. Alors, je pense que je vais redescendre un tout petit peu pour qu'on regarde les cartes. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc ici, on a la foudre. Donc, on n'a pas le nom sur les cartes. On n'a que l'illustration et on a ben, le symbole de l'élément. Voilà. Donc ça, je suppose que c'est le désert. Je ne vais peut-être pas vous donner des titres comme ça, puisque je ne sais pas exactement. J'aurais pu reprendre le livret, mais on va se contenter de regarder les illustrations comme ça. Bah comme ça, je ne vous influence pas. Et vous ferez votre propre opinion. Vous voyez, elles sont vraiment brillantes, parce que là, on a le reflet de mon téléphone. Donc, il filme si je le mets sous un certain angle. Mais en même temps, oh, et je ne sais pas pourquoi il me prend, il me fait une lumière comme ça. J'ai vu sur la dernière vidéo, il passe d'une lumière comme ça. Je vais essayer d'éteindre ma lampe.
Ah, mais du coup, il n'y a pas assez de lumière. Bon, tant pis. Mais vous voyez, mon tapis, il est rose. Là, on dirait presque qu'il est jaune. Et c'est énervant, les couleurs, elles sont plus naturelles, mais c'est très sombre si j'éteins. Bon, ben voilà. Tant pis, hein. On voit quand même mieux les cartes comme ceci. Voilà, donc ici, on a une aurore boréale. Je pense que je ne dis pas de bêtises. Un phénix. Alors là, je suppose que c'est la coccinelle, mais à vrai dire, je n'en sais rien. C'est comme je vous disais, hein. J'ai pas fait beaucoup de recherches en fait sur cet oracle. Il me plaisait tellement que je l'ai acheté. Et il n'était pas si cher. Je vais rechercher le prix. Je vous le mettrai au montage. Suppose que c'est l'arc-en-ciel. Évidemment, je vous dis que je ne vous dis plus, et puis je vous dis quand même. Parce que bah, si je ne parle pas, en plus, c'est vrai que mon téléphone, je ne sais pas pourquoi, quand je ne parle pas, il me fait un bruit de fond sur la vidéo. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. C'est agaçant. Donc de temps en temps, quand vous entendez un bruit de fond, j'essaie de couper quand je peux, mais quand je vous ai montré des cartes, je ne peux pas, parce que sinon vous ne voyez pas tout. Mais c'est extrêmement agaçant. Il me faisait ça au début de mes vidéos, avant que je ne commence. Donc, je laissais toujours passer un petit peu des secondes. Et je faisais la coupure, en fait, au montage. Et là, je me suis aperçue que parfois, il me fait ça en plein milieu de la vidéo. Et ça m'agace parce que je ne sais pas comment y remédier. Donc, ça, c'est magnifique. C'est une des cartes qui m'avait totalement attiré en fait avec le verre et puis l'eau comme ça, waouh, c'était trop beau. Alors ici, je sais pas trop, c'est une bulle de savon ou ouais, j'ai bien l'impression que ça pourrait être une bulle de savon. Allez, on va quand même parler. Je vous dis pas les cartes. Bah là, on a une bougie. Hein. On va dire ce qu'on voit sur la carte. Donc là, on a un ciel qui est soit le crépuscule, soit bah, l'aube. Hein, on ne sait pas. Alors, la voilà, la fameuse carte de la pierre philosophale, je pense, qui est donc le cinquième élément, puisque là, vous voyez, pourtant, là, on a plutôt le logo de la Terre, je crois. Je ne sais pas. Je vais la mettre de côté, on va voir ça après. Ça, si j'ai bien compris, c'est le symbole de l'air. Bon, là, on a les nuages. Bon, là, on voit bien, c'est le feu. On ne peut pas se tromper. On a la flamme. Là, on a l'eau, hein. On ne peut pas se tromper non plus. C'est clairement établi. Donc là, avec la tempête ou la vague, je ne sais pas trop. Mais là, on est nouveau dans le feu. Avec les épices, parce que j'ai vu passer dans le petit livret la carte. Elle s'appelle les épices. Là, ce serait quoi? Une étoile filante? On est toujours dans le feu. Là, on est dans l'eau avec ce joli hippocampe. Là, on est dans l'air. Alors, les illustrations, c'était noté sur Etsy qu'elles étaient illustrées à la main. Alors là, on est dans la terre. Donc, voilà le logo de la terre. Mais ce qu'il y a, ah oui, voilà, c'est pas la même chose. Regardez celui de la pierre philosophale. On voit qu'effectivement, on a le feu, la terre, l'eau, mais là on n'a pas trop. Ah si, il y a l'air en fait, je pense à cause du symbole, mais il n'apparaît pas trop parce que là on l'a aussi. Bon, on retient vite que c'est cette carte-là qui est le cinquième élément. Donc voilà, avec une bûche ici, ben, on a visiblement un iceberg, des champignons. L'arbre, ou alors c'est. Non, peut-être pas la forêt, parce qu'il n'y en a pas trop peu. Ouais, là, on voit bien que c'est fait à la main. Là, on est dans le feu. Alors, c'est un cristal, mais je ne sais pas. Est-ce que c'est du quartz fumé? Bah, écoutez, il faudra découvrir tout ça ensemble. C'est juste un unboxing, hein. C'est pas une review, parce que vous l'avez vu, je le découvre avec vous. Là, c'est le volcan avec la lave qui coule. Alors, ici. On est dans l'air, donc ça doit être pour l'oiseau. Hein. Si on est dans la terre.
Donc je ne sais pas si c'est la fêlure ou je ne sais pas trop. Alors ici, on a de nouveau ce feu, le feu solaire, je pense. Ici, on doit avoir la terre. Donc là, c'est peut-être simplement le soleil, je ne sais pas. C'est parce que moi, en voyant le dessin, ça me fait penser à des éruptions solaires, mais c'est peut-être juste le soleil et puis là, la terre. Alors, eh bien, nous voilà encore dans des cristaux. On est dans l'élément eau. Alors ici, clairement, on est sous la mer. Ensuite, ici, nous avons le blé. Alors ici, on dirait que c'est la lune, mais je vous avoue franchement que je vais aller regarder le livret. On va aller regarder après parce que ça m'intrigue trop et je ne vais pas vous laisser comme ça sur votre faim. Ici, on a la chenille. On va aller voir tout ça. Alors là, c'est quoi? Est-ce que c'est le... On est dans quoi? On est dans l'air. Donc, ce serait la pollution ou... Je ne sais pas, c'est possible. On va aller voir tout ça. Ça m'intrigue trop. Alors là, on est dans le feu. On dirait une luciole. Là, on est dans la terre. Je suppose que c'est l'ours. Alors, ici, on a de nouveau le feu, mais c'est quoi? Ce serait la braise. On va aller voir tout ça. Je suis trop intriguée. Alors là, ce serait l'oasis, je suppose. On se voit assez bien au milieu du désert, là. Puis on est dans l'élément eau. Alors là, on a la pluie, je suppose. Ou alors c'est juste l'élément. Je ne sais pas s'il y a une carte vraiment juste élément. Là, on dirait bien qu'on est dans la tornade. Alors ici, on est dans l'élément eau. Est-ce que c'est la rivière ou le fleuve? Elle est très très belle celle-ci. Très belle. Vous voyez, il y a quelques cartes qui m'avaient totalement fascinée. Alors ici, je suppose qu'on a les racines. On est dans l'élément terre. Et puis ici, dans le feu. Alors là, je ne sais pas trop. On va aller voir. Je ne sais pas. Ici, clairement, on est sur une sirène. Enfin, je dis clairement. Ça me paraît être une sirène. On est dans l'élément eau. Ah, et voilà, une fée pour l'élément air. Alors, est-ce qu'on aurait les élémentaux ce serait quoi? Bon, écoutez, je ne vais pas me poser trop de questions. Parce que je n'ai vu nulle part passer l'élémental de la terre. Écoutez, on va prendre le livret. Je pense qu'il y avait la représentation dedans. On va regarder ça parce que... visiblement, je ne retrouve pas exactement tout sur les cartes. Donc, voilà. Donc là, on a l'améthyste. Donc, on est dans l'air. On a l'arc-en-ciel. Ça, je l'avais bien dit. Ouais, c'est bien une bulle. Bon, c'est un colibri. Je n'avais pas osé le dire. Il me semblait bien à cause du bec. Mais comme il est assez foncé, je ne savais pas si c'était vraiment ça. Ah ben, ça, c'est Jupiter. Bien. Je dis la Lune. Bravo. Donc, Jupiter. Ici, c'est un halo. Alors, le papillon. On a bien le nuage. Ah ben, ça, c'est une nuée. Ah ben, c'est des nuées d'oiseaux, en fait. J'hésitais, hein. J'ai failli vous dire, est-ce que c'est une nuée, enfin un vol d'oiseau, ou est-ce que c'est, comme je l'ai dit, la pollution, pardon. Mais c'est bien les oiseaux. Alors là, on a une sylphide, oui. Là, on a bien le tonnerre et la tornade. Là, j'étais bon. Eh bien, ça, c'est une aigle marine. Donc, ce qu'on avait vu, le cristal. Alors, les chutes d'eau, ok. L'hippocampe, ok. L'iceberg, la lune. Ah, ben, c'est la lune. Ah oui, on l'avait vu, la lune aussi.
Ah oui, je me rappelais plus qu'on avait la carte aussi de la Lune. Alors, nénuphar, oasis, c'était bien ça, pluie, profondeur marine, voilà, simplement, rivière, oui. Ah, mais c'est la rosée ici. C'est pas du tout la coccinelle. C'est la rosée. Alors, on a la sirène et on a la tempête, oui. Donc là, on a la tempête avec l'eau. Et on avait la tornade avec l'air. Alors, bah pour le feu, on a bien la bougie. Oui, c'était bien les braises. Ok. Eh bien, c'était la citrine, en fait. La pierre. Donc, il y a chaque fois une pierre, en fait, on dirait bien. C'était un coucher de soleil. Donc, c'était bien le crépuscule, les épices. Ça, c'est le feu de camp. Ah, ce sont des feux follets, ici. C'était bien la luciole. Ça, c'est une météorite. Le phénix, le soleil. Ben, c'est le soleil. Ce n'est pas des éruptions solaires, du coup. Ah, c'est le soufre, ça. Ben, je n'ai pas reconnu. Hein. Ben, je ne suis pas très douée non plus dans les éléments. Et le volcan. Alors, au niveau de la terre, on a le blé. On a la caverne, les champignons. Ça, j'avais bien reconnu. Le désert, oui. Ben, c'est la forêt. Moi, je voulais pas dire la forêt, je vous ai dit, parce qu'il n'y a qu'un arbre, en fait. Enfin, et puis un au loin, mais c'est bien la forêt. La larve, oui, je lui dis la chenille. Montagne, ok. On a l'ours, la porte mystérieuse. Ah, c'est une porte mystérieuse, c'est pas une bûche. C'est vrai que je m'étais demandé pourquoi il y avait des inscriptions. C'est une porte mystérieuse, ok. Alors, c'est un péridot. On a bien les racines. C'est la sécheresse, oui, j'avais dit les fêlures, je pense. Donc, c'est un peu la même chose. Et puis, on a la terre. Et ici, on a le cinquième élément. Mais voilà. Donc, vous voyez, moi, je n'avais pas trop reconnu. En même temps, je pense que maintenant que j'ai lu les titres une fois, je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y aura pas de souci pour le reconnaître. Donc, on n'a bien que deux, pour moi, on n'a que deux élémentaux. Donc, on a la sylphide, là. Pour l'eau, on avait la sirène. Mais pour le feu, je n'en vois pas. Hein. C'est peut-être le phénix, en fait. Ouais, c'est peut-être le phénix. Et alors, pour la terre, ce serait quoi? Ce serait quoi qui pourrait correspondre? Ben, il n'y a pas. Il n'y a pas. En tout cas, moi, je n'en vois pas. Je ne vois pas quelque chose qui pourrait correspondre à un élémental de la Terre. Voilà. Donc, peut-être que c'était pas voulu de mettre les élémentaux, en fait, parce que je voyais la sirène et la sylphide. Donc, mais bon, voilà. Non, apparemment, il n'y a pas. Donc, voilà. Je pense qu'une fois qu'on a vu les titres, c'est quand même assez simple après de reconnaître les cartes. Donc, je vous mettrai les prix. Je vous mettrai les prix. Le prix. Je mettrai le prix. C'est envoyé par Colissimo, comme vous avez vu, parce que quand on peut choisir un relais, je choisis le relais, donc il n'y avait pas. Il arrive rapidement, donc posté très rapidement. Il arrive en 2 jours. Bon, ça dépend peut-être où vous habitez, évidemment. Bah, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah, je vais aller rechercher le prix et je vais vous le mettre au montage. Bon, c'était un peu décousu comme vidéo, mais bon, c'est un unboxing. Donc, on tombe des fois sur des surprises. En tout cas, je suis ravie de l'avoir parce que je le trouve vraiment magnifique. Hein. Je vous montre encore un petit peu des cartes comme ça. Oui, on la voit bien la rosée en fait. Mais voilà, ça aurait pu être de la coccinelle. Hein. Ça aurait pu être de la coccinelle. Donc ça, c'était l'améthyste. Mais ça, c'était assez reconnaissable en fait. Hein. Donc voilà. C'est vrai que j'aime vraiment beaucoup ben, ces illustrations. C'est de nouveau un jeu sur la nature. Je pense que je l'emmènerai avec moi quand bah, il va de nouveau faire plus chaud et un temps plus clément et que j'irai me balader un petit peu. Ça fera partie, je pense, des jeux que j'emmènerai dehors.
Ben voilà, je suis ravie de la voir. N'hésitez pas à liker, à commenter. Dites-moi si vous aviez vu passer ce jeu. Je pense qu'il est quand même relativement récent. Ben, tiens, on va regarder s'il y a une date. Est-ce qu'on a une date? Non. On n'a pas de date. On n'a absolument pas de date. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu beaucoup passer. Ben, je ne l'ai pas vu passer du tout, en fait. J'ai pas vu de présentation passer. Je l'ai juste vu passer sur, je vous disais, sur ce groupe Facebook. Je ne sais même plus lequel. Comme ça, un petit peu, on va dire par hasard. Je regardais un petit peu. Je pense qu'il y a un chat sur le toit de ma cour. Ce qui explique que vous entendez mon chat qui s'énerve un peu. Bon, je pense qu'elle est en train de me dire que c'est l'heure de vous quitter. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.